j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui non pas pour la partie 3 du haul PC Amazon, parce qu'en fait je pensais qu'il y avait beaucoup de trucs qui restaient. Mais finalement au niveau Amazon il restait qu'un truc ou deux, donc je vous ai fait un petit haul en plus. Mais bon, c'est toujours des fournisses pour chiens, mais ça vient d'un petit peu partout. Donc nous allons commencer par ceci, oui mon chien. Ça ce sont du coup les pedigrés marquises, bon ça elle adore, elle connaît. Je vais vous montrer les deux côtés. Oui. Je vais vous montrer les deux côtés. Alors, vu que j'en ai une boîte qui est déjà neuve, je vais pas l'ouvrir. Je vous en apporte un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est des trucs, c'est des petits gâteaux que j'ai pris à mon Carrefour qui est en bas de chez moi. Je sais pas si vous voyez bien. Arrête. Oui, tu vas la voir, mais arrête. Oui. Donc voilà, pareil. Donc c'est de la marque Pedigree. Ça, elle adore, elle connaît. Ça, c'est super. Ensuite, donc de la marque. De la marque Chicos, donc c'est des friandises que j'ai achetées chez Auchan. Donc, je vais vous montrer un petit peu les deux côtés. Ce sont des petites friandises au cacao, donc c'est un peu genre chocolat pour chien, mais ça ne fait pas de mal. Bon, elle a validé le marquise, elle est descendue en bas le manger. Et voilà, ce sont des petites friandises comme ceci. Ça ressemble un peu au Trixie de la dernière fois au jambon, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ceux-là sont au cacao. Cacao et poisson, je crois, ou cacao. Tu veux Donc voilà, petite friandise de chez Auchan, sympa, pas mal aussi. Hein. Celle-là, on ne les connaissait pas du tout, donc je voulais tester, donc je dis pourquoi pas. Allez, monte. Non, monte pour de vrai, on ne voit pas bien. Montez, dis-moi. Monte pour de vrai, c'est chaud parce que tu fais n'importe quoi. Oui. Ensuite, alors ça aussi, c'est un truc que Pépette, elle adore. Donc ça, je l'ai pris, attends. J'ai pris chez Intermarché, donc ce sont des biscrocs, petits grès biscrocs. C'est des petits biscuits, ceux-là sont tout bœuf, c'est ceux que je préfère. Des petits biscuits fourrés à la viande. Oui, on va l'ouvrir celui-là, oui, c'est la truffe. Mais, bon, par contre, petit bémol, c'est les boîtes en carton à refermer, c'est pas tip top. Attends. Mais, c'est un peu casse-pied à ouvrir. Ça c'est du coup, attends, vu que pendant le confinement je me suis beaucoup ennuyée, bah, j'ai commandé aussi, attends, oui, arrête, stop, arrête. Donc les biscrocs c'est ceci, ah si, c'est pas les mêmes que d'habitude ceux-là, on les connaît pas, donc je pensais que c'était au bœuf, mais ils ont pas la même tête que ceux que je prends d'habitude, donc à voir. Tu veux? Tu restes là. Voilà, bon ça a l'air de lui plaire, hein. Donc ça vient de chez Intermarché, je vais pas le jeter sur Canada parce que ça va en être partout. Donc ça a l'air de lui plaire aussi, hein, petite friandise du chez Intermarché. Ensuite, donc ça c'est Amazon. Donc c'est Skin and Coat Treat. Donc c'est friandise pour la beauté de la peau et du poil. Attends. De chez Amazon, je vais vous montrer les deux côtés. Il y a Gizmo qui est impatient de voir ses cadeaux. Donc ça fait partie de ma commande d'anniversaire. Le reste, c'est moi pendant le confinement, du coup, qui était beaucoup sur internet et qui commandait pour elle. Ah si. Comme ceci, c'est des filets de poulet. Attends. Des petits filets de poulet, comme ça. Oui, je crois que c'est du poulet, pas de poisson, c'est du poulet, ça. Mais ils sont un peu plus durs que ceux que je lui prends de chez Action. Mais apparemment, ça a l'air de lui plaire. Oui, c'est bon, j'ai compris ça. J'ai compris que t'aimais ça. Hein? Mmh, ouais. Donc ça aussi, apparemment, c'est super validé par Bouli. Bon, ça, c'est les filets de poulet, je ne veux pas en racheter puisque c'est des trucs que je lui prends régulièrement chez Action, donc on connaît, c'est pas la peine que je commande non plus des trucs que je connais, c'était juste histoire d'eux. Mais bon, c'est quand même validé. Ensuite, alors là, il n'y a rien de marqué dessus, friandise à mâcher pour chien, il n'y a pas de marque, j'ai acheté ça chez Babou. Donc voilà, c'est un peu le même genre que les friandises de cigarette, c'est enrichi à base de farine d'os. Ça par contre, ces emballages là, c'est pas top du tout. Je vais être obligée de percer, parce que comme une nouille, j'ai encore oublié les ciseaux, comme dans beaucoup de mes vidéos. Voilà. Donc c'est à la base, ce sont des os, mais ils ont un petit peu morflé, ils se sont cassés. Je vais essayer de vous en attraper un. Attends, chouchounette, attends. Je vais essayer de vous en choper un entier pour que vous le voyez. Ah, ils sont quand même assez beaux, c'est bien. Ils sont quand même assez beaux, donc c'est bon, c'est un peu chelou comme forme d'os, mais bon. Ça c'est pareil, c'est à mâcher, c'est super pour elle, donc ça, je recommande pour les chiens qui aiment bien tout ronger. C'est un peu comme la texture du bois, mais
C'est comestible, ça se digère très bien, c'est spécial pour les chiens qui le mâchent. On va les faire goûter. Parce que là, tiens, choupette. Ah, c'est un peu gros. Non, tu restes là pour manger. Tu ne vois pas. Bon, ça a l'air un peu dur, mais ça a l'air pas trop lui déplaire. Ensuite, on continue avec ceci. Donc, ce sont des petites friandises. C'est à la volaille. C'est de la marque. Je vois pas bien. Tu peux me dire si c'est écrit, je vois pas bien ce que j'arrive pas à lire bien. Ce sont des Fido Picnic. Bouli, tu vas où? Bon, on va finir sa friandise en bas parce qu'elle est sur moi, elle y arrive pas. On est partout au passage, c'est cool, merci mon chien. Donc les petits Fido Picnic au poulet. Donc ça a l'air d'être des petits sticks. Alors, encore en train de ronger son petit. Bon, l'os de chez Babou apparemment lui a plu, hein, puisque bon. Elle l'a gobé. Bouli. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est des petits sticks tout simples. Oui tu veux, j'ai compris. Des petits sticks tout simples, hein, donc c'est calme, pratique pour emmener un peu partout. Et heureusement que j'ai pas donné de gâteau dans la journée, parce que sinon j'aurais été malade avec tout ce qu'elle a. En plus je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petites marques pour pouvoir le couper. Je sais pas si ça va se voir, mais en relief il y a des petites marques pour pouvoir bien les couper. Et faire des petits morceaux pour l'agility. Bon, apparemment ça lui a plu. Hein. Ensuite, il ne reste plus grand chose. Alors, ceci, bon, celui-là, je vais pas faire goûter parce que c'était un dentifrice. De la marque. Viga ou Riga, j'arrive pas bien. Donc, c'est un petit dentifrice que j'ai acheté à Noz, celui-là. Ça, ça vient de chez Noz, hein, donc petit dentifrice. Il n'y en a pas souvent, alors du coup, je l'ai pris. Hein. Bon, il me reste encore, vu que je n'en ai pas souvent, il me reste encore le premier que je vais acheter. Mais voilà, je vais quand même acheter. Ça, alors ça, ce sont des friandises qu'elle adore réellement. C'est donc de chez Auchan, c'est toujours de la marque Fido. Ça, je l'ai acheté chez Auchan. Ce sont des petites friandises à la menthe. Je vais vous en défaire un. Hein. Voilà, alors ça, c'est vraiment un truc qu'elle a adoré. Je l'avais déjà pris au tout début. Oui, tu vas la voir. Ça se présente comme ceci, donc c'est à mâcher et c'est à la menthe. Alors ça, je vais lui donner ça, c'est vraiment un truc qu'elle a adoré. Je l'en achète régulièrement quand je vais au champ, ça, elle adore. Donc, ça, à mon avis, ça doit être survalidé. Il manque 3 produits, je crois. Alors, 3 produits. Alors, ceux-ci, ce sont des bâtonnets dentaires de la marque de chez Purina. Purina, c'est des bâtonnets dentaires que j'ai acheté chez Noz il y a un petit moment déjà. De chez Purina, oui, comme ça, ça serait mieux. Purina, je crois, c'est en anglais, donc j'arrive pas trop à lire, mais bon, c'est pareil pour les dents, tout ce qui est pour les dents, je vais en prendre régulièrement, parce que bon, enfin, je lui en donne tous les jours, donc voilà. Ça, je vais lui faire goûter, parce que c'est quand même gros, et puis qu'elle a quand même pas mangé pas mal de bêtises aujourd'hui, donc, mais ça se présente comme ceci. Il n'y en a pas beaucoup dans le paquet, mais ils ont l'air pas mal. Pas trop gras, pas trop... Non, c'est pour à demain, ça, si j'aime. Donc ça pareil, ça bon, je sais pas si je vais en retrouver, mais voilà, c'est juste histoire de tester des nouveautés. Voilà. Alors, l'avant-dernier produit, donc ceci, ça c'est d'Amazon, c'est le reste de ma commande. Ce sont des friandises Star Snack Nobby Strip au poulet. Alors Nobby, c'est une marque qu'on trouve souvent en animalerie, moi vu que j'y vais pas souvent pour les gâteaux, et je l'ai trouvé sur Amazon pas trop cher, je vais vous en prendre pour tester, on verra bien. Donc ça se présente comme ceci, c'est quand même des belles lamelles, des jolies lamelles, comme ceci, voilà, ça a l'air bien épais quand même, hein. Et ça, leur compo, je regardais vite fait, était pas trop mal, il y a quand même plus de viande que de bêtises. Tu veux monter? Monte. Non, montez, monte, dis-moi, monte, non, monte, allez, assis, regarde la caméra un peu, Hélène. Bon, ça a l'air de lui plaire, hein, nos biscuits pour couler. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On en rachète? Oui. On en rachète tout, il y a du vent dehors, ça fait du bruit. Tiens. Oui. Et donc, ce dernier produit, attends, chouchounette, ce sont des. Alors, les Pédigrés Ma Récompense Junior. Ça, c'est ma voisine qui les a achetés pour son chien. Mais vu que. Attends, tu te déshabilles. Vu que son chien ne l'a pas trouvé, mais du coup, elle me les a donnés. Donc, c'est un des rares produits qui n'est pas neuf, mais c'est. Je voulais quand même vous les montrer, et c'est des spéciales juniors, ils sont tout petits, oui,
sont tout petits, voilà, ils sont assez minuscules, donc pour être sa petite, je vais en donner plusieurs parce que c'est quand même vraiment petit. Elle, je lui donne ça, voilà, ça va lui donner. Ça va lui combler à peine, même pas une dent. Donc voilà, bon, c'est quand même validé, même si c'est tout petit, c'est quand même validé par la picouille. Et normalement, il n'y a plus rien, voilà, bah, c'était le dernier produit. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle a été un peu plus longue que les autres, mais bon, vu que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer pour faire des hauls que j'ai en retard, parce que du coup, pendant le confinement, j'ai quand même pas eu le temps, hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça, donc j'essaierai de tout vous faire, après je vous ferai des petits tutos, éducation, veto, et tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Nous, on va se retrouver, je pense, dimanche, si je peux, pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, on vous fait des gros bisous, et ciao les amis!